jeudi 14 septembre 2023. Préparatif en cours pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Est-ce que vous entendez? Donc, mais qu'on est d'abord, si vous entendez avant de commencer à parler, mais toute indication dit que si un lata de bon, là, parce que non, micro, autant des moins. Ah, là, regardez, ouais. Là, c'est une dame là. C'est des oui. Ok, d'accord, on a allé là. On a même dit bonsoir, bonjour tout. Bonsoir tout, quel que soit l'homme, regardez, regardez, petite conversation ça que nous gagnons chaque jour. Eh bien, je dis à l'actualité à Super International, c'est surtout l'actualité abdominée avec l'inondation qui a frappé Libye là, une inondation qui, d'après les Nations Unies, qui était capable d'éviter, de le calculer selon Sifio. Sifio varie en 4000 à 5000 personnes qui mourent, ça dépend qui est ce qui est là, mais donné vraiment, c'est plusieurs milliers de personnes qui mourent dans l'inondation qui a frappé Libye. Et puis, effort secours. Continue à faire toujours dans Maroc. Nous avons été frappés depuis vendredi. Et bien, il faut continuer. C'est peut-être ça va aller assistance à côté de la population victime. Non? Et puis tout, et nous sommes assistance et il y a la population en tout. Et puis Mounio commence à enterrer. Et en fait, la population commence à enterrer les victimes. Et il y a un côté certainement. C'est pas un thème, c'est sous masse, c'est un où il y a des cadavres qui sont pas capables de bailler, ils ont été mis en masse. Donc, situation tragique, très difficile. Et dossier la Chine avec, pas la Chine, et dossier la Russie avec et Corée du Nord, devient actualité à tout. Corée du Sud, il n'est pas content du tout avec les négociations, bien encore. Sous âme que Corée du Nord a fait avec la Russie. Et, mais elles sont plus difficiles de venir à tout. Nous allons tourner l'autre grand, l'autre crise de venir à l'actualité à tout. Nous n'avons pas attendu parler de ces dossiers, par exemple. Et puis, si les États-Unis, il y a un tout. Et un juge qui prononçait lui sous. Et Timon, le programme est Dakar. Dakar, c'est Timon qui est entré aux États-Unis. Alors, monde qui est entré aux États-Unis, il était mineur, il avait parents, sans document légal, ou bien qui était un visa qui est entré aux États-Unis, qui était sous visa. Et qui était, même après le visa expiré, et Timon Sayo, ancien président Barack Obama, a mis un programme sur pied pour vous dire dans la communauté cassée, Timon Sayo, il n'y a pas aucun autre pays que les États-Unis. Eh bien, c'est en 2012. Eh bien, et programme où il était CV, où il était qu'à légaliser le statut de Timon Sayo. Il y a un juge qui était bloqué, il dit que l'intervention du gouvernement, l'administration en époque là, était illégale. Et l'ancien président Donald Trump était intervenu pour terminer, était fait dans le programme, mais ça va être mort du tout. Mais ça passe du jeu, il n'y a pas jamais demandé pour être mis Timon Sayo dehors, contre être toujours par protection, permettre et aller à l'école, et sous pas un dossier criminel, et renouveler le permis de travail pour 2 ans, etc. Donc, le programme ça a été continué. Et le président Biden a essayé là pour le Tercita, et bah, Timon Sayo a l'autre statut encore pour intervenir au compte fédéral même pour avoir le statut. Bien, un juge qui décide mercredi 13 septembre que décision administration les prend pour lui porter une assistance légale by et Dakayo ou bien les Dreamers, mon caprivé, Timon Caprivé, bien les éducations et intervention illégale et que l'administration est dépassée. L'administration est surpassée, ça et administration. Rentrer dans un champ qui pas champ. C'est-à-dire que c'est congrès qui doit faire bah, ça. Mais et je la passe à côté de tout. Pendant ce temps, parmi les temps, il va demander tout pour mettre fin au programme. Non, que pour expulser et bénéficier. Au côté de Capture, il y a plus qu'à prêter les États-Unis, il y a plus qu'à les permis de travail. Mais je l'ai dit, je suis avec un balai légal en attendant que ce congrès qui vient droit font intervention
sous statut et Timoun Grimeur ça yo mais te grand administrateur un juge qui était campé il a demandé pour que programme là à partir de 2007 de pas prendre nouveau bénéficiaire donc ça veut dire que et pas de nouveau bénéficiaire là-dedans mon qui dégage que 6 mai après plus passé 580,000 et tout ce qui surtout en Amérique latine qui n'a pas gagné cela mais administration probablement il y a une possibilité pour y aller en appel avec décision pour essayer de casser décision et jusqu'au d'appel dossier qui a été ouvert encore et puis dossier foncier n'a pas l'ouvert il y a un groupe immigrant qui est dans la zone et San Diego Californie et Charlotte bon foncier du côté Mexique et bien il y a même il y a tant de plus possibilité si gars font pas de yo et garde la douane à protection pour pas de passage pour yo pour être capable d'entrer demander asile c'est grimi que ceci dans plusieurs côtés toujours en Amérique latine toujours en Afrique et jusqu'en Asie qui la capitaine et qui des organisations encore bien militants tout capricé pas manger le matin bah on va passer le boucheau en attendant avec espoir on s'appelle par le gouvernement pour essayer ça de faire beaucoup de millions de pour éviter ça qui passe en mai 2023 pas passer encore parce que les chiffres là pour augmenter chaque jour donc ma partage de ceci là pour vous pour nous parler de qui il faut qu'on fait pour essayer d'assister avec les groupes immigrants qui passent sur nos frontières, étant donné que nous connaissons techniquement les frontières toujours fermées pour ça et l'immigration, mais on ne peut pas capable de demander asile sans ou pas gagner un rendez-vous. Et il y a d'autres programmes qui sont ouverts, comme on peut capable toujours entrer aux États-Unis légalement, par voie légale. Il y a un programme Biden, il y a le programme Biden qui est là pour 4 pays, dont Haïti, et Cuba et Nicaragua avec Venezuela et il y a un autre programme d'unification familiale qui est appliqué seulement pour le monde que le service immigration a déjà approuvé demande d'une femme qui fait pour aux États-Unis et puis il y a quelques autres programmes toujours qui toujours là mais on peut toujours aller dans CBP ou un sous frontière États-Unis partagée avec le Mexique là et puis faire demande pour un rendez-vous pour demander asile sous frontière moi non pas venir sans rendez-vous parce que nouvelle facture pas bonne. De ces pays d'Haïti et dominicaine, MISAF et Haïti a confirmé qu'il y a une délégation haïtienne qui est en République dominicaine depuis le 13, donc après le 13 là, et qui a négocié avec la République dominicaine justement pour négocier sur l'affaire Rivière Massacre. Nous connaissons qu'il y a un paquet de commentaires entre Haïti et la République dominicaine, côté du président dominicain, Luis Abinader, Haïti ou Ultimatum pour le professeur. Pour camper sous et construction, une crise qu'Haïti a fait alors que le Dominicain déjà fait très 11 déjà. Haïti, sur un tapis, c'est fait une et une de camper, mais paysans dans un autre qui sont censés mettre d'œuvre. Qui sont les mêmes qui ont fait, qui prennent l'initiative pour continuer le travail que l'ancien président. C'est ça, oui.
commencé en 2021, et bien, ils ont même dit que c'est sous cadavre, ils peuvent mourir dans la loi, ils peuvent mourir dans le canal là, tant que vous êtes capable de travailler. Donc, on entend dans ce plan diplomatique, parce que le dossier a une trois portées, une portée diplomatique, une portée commerciale, et une portée sociale, donc c'est une portée environnementale. Donc, c'est l'autorité haïtienne, une délégation qui a discuté avec l'autorité dominicaine justement pour justifier raison que ça devient que la communauté haïtienne a devié de l'eau, il y a un massacre là, c'est pas vrai, que son entente qui vient et que Haïti a besoin de l'eau pour eux. Il y a la carrière, il y a quoi qui était signé en 2029, en 1929 là, et bien à quoi ça a été bien spécifié que nous devons partager égal et de l'eau entre deux nations, mais et lui et Dominique, tu as peut-être beaucoup plus et tu as cherché à bénéficier plus de barrage que Haïti va bien faire, et c'est seulement Dominique qui a décidé, mais le gouvernement dominicain a levé, il a pas de sanction, le concession pour passer en fait nord-est du Cap-Courage. Et Cap-Courage, pour qu'il prenne l'initiative là, et c'est un versailles dont bien aimé, il a dit que ça va garder, ils ont débuté pour défendre Haïti, ils voulaient débarquer pour production nationale. Et bien, il y a pas courage. Donc, ça fait que le week-end, si l'été de Jovina Kaili, c'est pas mal de on a cité par le sénateur et bien aimé. Et puis, bon, alors, techniquement, frontière d'Ahabon et Wana maintenant, il fermé. Et le journal dominicain, il y a eu rapporté que le gendarme, c'est son tueur. Donc, la frontière des dominicains au campé avec Zamio, brandi dans main et devant barrière pour empêcher que. Haïtien pas venu parce que le gouvernement dominicain a dit qu'il a fermé d'ailleurs consulat, donc l'ambassade des consulats dominicains en Haïti a fermé pour lui, donc il n'a pas eu visa, donc il n'a pas eu de visa. Et donc il était même dit jeudi à partir de jeudi, si Haïti n'a pas campé sur construction, et bien il y a même, non seulement fait, il y a fait une frontière à voie terrestre, aérien et maritime. Haïti a été barré par côté Haïti parce qu'on peut découvrir la caillou. Et il y a appel qu'à penser si on a besoin quitter Haïti rapide et aucune difficulté pour prendre l'avion en Haïti. Sous besoin, c'est on va aller courir faire vite avant que l'autorité dominicaine applique décision. Cependant, le marché binational dans Caris, qui est encore du côté dominicain, le marché supplémentaire. D'après le journal dominicain de Sylvia, il y a un commerçant haïtien qui vient acheter dans un local. Ça, c'est tout près. Tout près, il y a Spignacé, tout près de zone. Côté, il y a parti d'Abonne, enfin même, les Carissa qui sont l'autre communauté. Et bien, le même marché a été fonctionné matin, depuis 8h du matin. Et bien, commerçant haïtien qui vient traverser à l'acheter. Et commerçant dominicain qui vient ouvrir la porte pour être capable d'écouler les produits et bas haïtien. Et selon tout le journal et une nouvelle qui est publiée, tout qui est dans les médias, tout est dit que prise que Haïti a acheté en plus de la République dominicaine, surtout dans la partie d'abonnement, du coup, a été réduit de moitié. Et mes prises de 13 là, bon, très certainement, parce que c'est pas Haïti qui a acheté. Donc, agriculteurs, bien fermiers et dominicains ont des difficultés déjà pour les produits, parce que Haïti, c'est une autre que le vent de produits agricoles. À l'école et avec Haïti. Ça c'est comme ça lié et puis l'idée pour gain jusqu'à présent et nous avec les Nations Unies à Paris là pour faire une pour l'Assemblée générale, la prochaine Assemblée générale il y a là, et bien la va de mettre sur place et pour couvrir l'événement si là.
gagner tout et l'idée pour une force multinationale t'a gagné pour aller et en fait Kenya t'a prend tête une force multinationale pour aller assister pour national pour aider combattre l'insécurité à l'idée ça semble que des beaucoup en fait ça c'est qui national pour assembler ou de pour prononcer ce dossier bien que le dossier a été décidé le 15 septembre que le Conseil sécurité nationale a été prononcé sous si oui ou non la paille feu vert que Kenya a dirigé une mission militaire ou bien policier qui pourra aller des présidents sur la COAP et monsieur Negamio et puis aussi capable de pour permettre que l'élection déroulée dans le pays. Et puis, une nouvelle concernant les États-Unis, il y a un juge dans l'État d'Atlanta, dans l'Atlanta, Georgia, qui a décidé que le président Donald Trump, ancien président Donald Trump, ensemble avec 16 autres co-accusés, et bien, il n'a pas subi, il n'a pas jugé. Et pour moi, octobre 2023, contrairement à la demande, il y a un avocat, il y a encore un critère qui est fait, il y a encore le commissaire gouvernement d'Atlanta qui fait, qui est jugé. Et président, ancien président Donald Trump avec 16 autres fois, plus avec deux autres qu'on a encore ensemble, en octobre, il a décidé que ça va faire, et qu'on y est. Donc, l'idée octobre. Cependant, je suis d'accord avec deux avocats et ancien président Donald Trump, quand il a jugé même le 23 octobre, dans le pays de Kenneth Chesebo, avec Sidney Powell, qui eux-mêmes, et ces deux avocat et monsieur Jusson qui le voit avec ça qui est passé dans l'élection et l'élection 2020 et ingérence que j'ai fait au président de l'Angleterre que j'ai fait lui-même tout, c'est bien sûr qu'il a affecté les résultats de l'élection en faveur au lieu de et président et candidat à partir de mon cas là, Joe Biden, qui normalement est en train d'élection. Donc, ils sont de ceux qui continuent à faire une dominante actualité. Donc, moi, je peux pour nous, le président Donald Trump avec 16 ans accusé, pas jugé dans l'Atlanta, Georgie, et en octobre, et contrairement à la demande que le procureur général a fait dans le procès pour ça, fait, mais le juge a dit non, ça va faire. Mais je vais aller accepter pour que j'ai deux et accusés dans le dossier ça, M. Powell avec M. Cerro, qui ont même abusé et date affichée pour 23. Je vais profiter d'une date pour l'ancien président Donald Trump avec 16 autres pour accuser et juger dans l'état de la pour participation dans chercher renverser les résultats de l'élection présidentielle et novembre 2020. Et puis, il y en a parce que là aussi, il est censé expulser des diplomates américains pour activité illégale. Voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Moi, je m'appelle jeudi à la question d'immigration. Le groupe immigrant qui m'a assis dans la zone San Diego, donc sous frontière et dans le partage américain, la zone San Diego. Et on a pris 8 fois dans tout. Entre les États-Unis avec le Mexique, pour rejoindre sa groupe, ça a avec des militants qui là, qui a peut-être été mangé par mon petit bonbon, par le team, par le team, qui là tout. Et bien, les militants ont dit que son groupe de militants, c'est pas avec les États-Unis. Et aussi, les dirigeants américains, surtout les CBP, donc les gardes frontières avec la protection de la garde de la douane avec la protection de la douane, on ne change pas sur la classe de la en tant que politique, jusqu'à présent, mais officiellement, disons, pour dire une question, c'est là. Et nous avons fait des témoignages, un petit boy qui se dit Ghana, en Afrique. Et M. Jésus, en Ghana, il voyageait jusqu'à ce qu'il vive au Brésil, côté de commencer tout là à pied, pour lui sur frontière, côté de l'Union, on est aux États-Unis, son pays. Et l'opportunité de chercher l'opportunité de ça pour la chercher la vie parce que dans le pays la subi persécution. Je crois que Jacqueline est là et bien et gentil Augustin pas avec nous aujourd'hui, monsieur descend Miami, monsieur perdu maman dernièrement là, et bien c'est vendredi la finir à la fête.
bien monsieur descend et il pas calmement fini à la qu'a fait Tigoua en Haïti mais il on a descend que les familles a réuni pour organiser un veillé et puis fini à la fixer pour demain vendredi à dans ville Tigoua nous profiter de l'occasion pour nous dire gentil au lycée ensemble avec alors non pour qu'a gardé nous tout nous vous donner une chance de s'ensemble avec les familles de l'alliance pour moi difficile ça moi même ça moi, je suis passé à l'hôpital, c'est mon instant de moment, alors que je ne suis pas en Haïti pour une sécurité, pas même car finalement, c'est heureusement grâce à la technologie de l'université finale. Il y a Zoom et son monde risque de m'habiller jusqu'à maintenant parce que je suis vraiment une dernière fois pour Noël, malheureusement. Bonsoir, passez une bonne journée. Eh bien, tout le monde, la situation sécurité en Haïti n'a pas changé. L'école là, l'ouvrir, quelques côtés, une chaise d'éducation à son atelier, on ne peut pas faire un rapport, et c'est que la première question, on a passé pour faire un rapport sur l'activité électorale là. Et puis, dossier, on a mis le dossier et construction, barrage, ou bien encore construction dans le canal et dans le cours, et rivière massacre là, dans tout côté de Tahabon, mais en Dès, c'est ça, toujours l'actualité là. Autorité haïtienne de concert avec Mutuel, d'accord avec le Mutuel pour Chita en compte. Et oui, discutant comme ce débat qui est décidé déjà et depuis qu'il y a d'accord à pouvoir environnemental, malgré que Dominique prend 11 prises, Haïti pour que j'en prenne une. Et voilà qu'Haïti prend une. Et Dominique est fâché, président Dominique menacé pour faire une frontière, fermer un commerce.